réussi. Ouais. Ah, je suis content. Ça, c'est joué un peu de choses. J'ai eu peur à un moment donné. Youhou ! On y est. On l'a eu. Ah ouais, on l'a eu. Alors, moi, je l'ai pas eu. Ah. Il me manquait 10 minutes. Le canigou qu'on regarde de haut, là-bas au fond. Et la Sardaigne qui est là. Et le cap-cire de ce côté. Allez, là, l'igloo. Allez, aïe. Ah merde. Obligé de rester là. En fait, il faut enlever toute la neige qui est à l'intérieur. Il y a beaucoup de neige là, on va creuser tout le. Tout ce qu'on peut, descendre le plus bas possible. Il est décollé. Après, on va poser ça. On va essayer de faire un truc sérieux. La technique, c'est quoi alors? On dépose, on tapote un peu comme font les maçons. Parce que la neige, à peine le bloc qui touche, il écrase un peu le reste. Le froid qui fait là, rapidement, il y a tout qui se fige. C'est un peu magique. Il est pas fini, cet igloo. Ouais. Pour le finir, pour faire la voûte, il faut le faire parfaitement rond. Bon, là, il est pas rond parce que à la base, c'était juste un saute-vent en long, là. C'est bourrasque, là. On va pas se cacher, c'est une sacrée expérience. Hein. Je pense que c'est la pire nuit que je passe de ma vie. Parce que il fait vraiment très froid. Son igloo, même pas fini, il a fait un sacré boulot. Hein. Bon, allez, je me redors. J'essaye en tout cas. C'est là que j'ai dormi cette nuit. Enfin, j'ai dormi, entre guillemets. Ah, il est là. Il est là, le pam-pam. Oh! Oh putain! Vache, la proue du navire! T'as dû dormir un peu, mais pas beaucoup. Ouais, ouais. On était quand même à 2800 mètres d'altitude, hein. Faut bien que ça se mérite. Ouais. On est au-dessus des nuages. Un feu, ça change tout. Hein. Voilà, un bon moment qu'on attendait tous les deux. Cette brûlée de bois qu'on a coupé hier. On l'a pas fait hier soir parce que c'était un peu compliqué, mais... Ce qui est sûr, c'est que le feu, il va nous faire du bien parce que... on a un peu tout qui est gelé, là. On va descendre à ski. Ça va être du dérapage au début là parce que c'est étroit, mais il n'y a pas de danger, neige souple. Et puis après, quand on le sent, eh bien, on fera des virages. C'est vraiment fameux. Au petit matin, on est bien à 10h. Tranquille, pas un bruit. Le soleil est glissé. On descend de là-haut. Ah, super. Il m'avait prévenu, pam pam. Hein. On dort pas là-haut. On passe la nuit. On passe la nuit. On va se baigner ou pas? Tu vas te baigner. Mais là, cette fois, sans moi. Il va pas m'amener dans... toutes ces conneries. Voilà, on a remis nos pots de phoque et on remonte vers la station des Angles. Je crois qu'on est sorti de la zone de confort depuis hier, non? Ouais, surtout moi.
C'est la fin de notre balade héroïque quand même, hein, parce qu'il fallait quand même dormir à 2800 mètres d'altitude dans un igloo sans plafond. C'était une sacrée expérience. Je remercie Pam Pam. Allez, à bientôt.